Au Grand Prix de la Renaissance africaine, le Burkina Faso s'est imposé devant le Mali, le Niger et le Sénégal, pays organisateurs. Cette compétition en sport équestre a regroupé les meilleurs chevaux de la sous-région. Le Burkina Faso a été représenté par l'association des éleveurs Néma. Cinq chevaux habitués au championnat Néma ont donné du fil à retordre aux chevaux africains. Charap, récent vainqueur de la quatrième journée du championnat Néma, Prince, Burkina, Zangozaria et Tebnoma ont pris le départ pour un circuit de 2650 mètres. Dès le départ, le Mali mène la danse. Au premier tour, le Mali court en tête, mais talonné par Charap. Les consignes de l'encadrement burkinabé étaient claires. Il s'agissait de surveiller la concurrence et de compter sur un essoufflement de l'adversaire. C'est un coup réussi puisqu'à quelques mètres de l'arrivée, Tebnoma, qui était à l'affût, entame sa remontée, double le cheval malien et aborde seul la dernière ligne droite. L'exploit du cheval burkinabé a coupé le souffle aux commentateurs sénégalais. Marisal pour Burkina Faso qui est venu. Marisal pour Mali qui est venu. Marisal pour Mali qui est venu. Et ça a tourné. On va mettre maintenant. Mais nous avons une distance là. Nous avons une distance là. Peut-être que Burkina Faso est en tête. Le numéro 9. Tournez maintenant. Tournez maintenant. Tournez maintenant. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Vous n'avez pas de l'idée. Le numéro 8 gagne. Tebnoma du Burkina Faso se classe premier. Marshall du Mali est deuxième. Zangozaria du Burkina Faso troisième. Chafar quatrième et Charap du Burkina encore cinquième. Au finish, le Burkina Faso remporte donc le Grand Prix de l'intégration africaine. Trois de ses cinq chevaux se classent parmi les cinq premiers avec la première, la troisième et la cinquième place. C'est la énième victoire des chevaux Néma à des compétitions internationales et cette victoire est une préparation à la course internationale prévue fin du mois de juin à Pabré. Le Sénégal, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Soudan et le Tchad pourront jauger le niveau des champions burkinabés à cette compétition.